Hey, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la présentation d'un jeu Game Boy qui est tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, qui est le Pokémon version rouge. Donc il y a eu différentes versions, hein, le Pokémon version jaune, vous avez eu aussi le bleu et après le or, l'argent. Et en dernier, le cristal. Donc ici, présentation du jeu Game Boy, donc Pokémon, en version rouge. On peut voir cette magnifique ici pochette avec tout simplement Dracaufeu. Donc on peut voir ici que c'est une version qui est tout simplement française. On peut voir avec les textes. Donc ça, c'est vraiment agréable d'avoir les jeux avec le texte en français. Parce que ce sont des jeux de rôle, donc c'est vraiment important de bien comprendre les dialogues. Donc on peut voir attraper les 139 Pokémon de la version rouge. Donc c'est vraiment sympa. Et on peut en avoir jusqu'à 150. Et on peut donc connecter avec le câble Link pour jouer avec ses camarades, etc. Donc avec pile de sauvegarde. On fera peut-être un petit tuto sur comment changer la pile de sauvegarde quand elle est morte, puisque c'est vraiment un problème, on ne peut plus sauvegarder. Donc on va voir texte en français. Donc on va ouvrir un petit peu, voir ce qu'il y a dedans tout simplement. Donc ces boîtes carton, ici j'ai la chance d'avoir un modèle qui est plutôt en bon état, hein, en bon état pour l'époque. Hein. Ce sont des jeux qui ont quand même quelques années. Et la boîte carton est relativement fragile, donc on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc il y a ce modèle, donc il y a la cale ici pour caler le jeu, avec une petite pochette plastique. Donc on retrouve la cartouche rouge. Donc ça c'est vraiment très très joli, le rouge pour le rouge, la bleue pour le Pokémon bleu et enfin le jaune pour les Pokémon bleus et pour les Pokémon jaunes, pardon. Donc ici on retrouve la notice qui est en fait tout simplement un trainer guide où on a tous les différents éléments avec des jolies illustrations où on peut retrouver donc les différents personnages avec les Pokémon de base emblématiques du jeu tout simplement ici. Donc on va la feuilleter rapidement. Toujours de très jolies illustrations. Hein. C'est vraiment très agréable d'avoir de belles notices. On manque de ça maintenant hein, quand on a une notice, parce que maintenant c'est vrai que on n'a quasiment plus aucune notice dans les jeux. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment sympathique de retrouver ces jolies notices avec tous ces designs de personnages et de dessins. Donc ici on retrouve la cartouche qui est, je crois, en bon état. Voilà, ici on peut voir la cartouche qui est vraiment en très bon état. Regardez. Hop. Donc c'est la version française, on peut le reconnaître ici avec le FRA. Donc très jolie cartouche. On peut voir ici. Hop, voilà, très jolie cartouche. On retrouve le Dracaufeu, tout simplement. Bon, on va juste le tester hein, pour voir un petit peu l'introduction au jeu. Donc comme d'habitude, j'utilise ma Game Boy Advance, qui est plus commode hein, pour jouer au jeu Game Boy. Hein. Donc on va mettre un petit peu de son. Bon, elle démarre tout de suite, on a de la chance, elle est bien propre. Voilà, Pokémon version rouge avec Salamèche. Donc voilà, on peut voir qu'il y a continu, c'est-à-dire que la pile de sauvegarde est encore vaillante. Alors, continuer. Voilà, donc ici on retrouve donc le petit personnage Sacha avec les différents Pokémon. Voilà. Là on a Salamèche. Et hop. Ah, là en premier combat. Alors vous allez voir, les combats sont relativement simples. Donc on est sur un contre un roue cool. Allez, donc on invoque notre Pokémon et on va attaquer tout simplement avec Griffe. Ça ne devrait pas être très compliqué. Hein. On a niveau 5. Il nous enlève quand même. Ah bah la plus critique, on va pas être chance. Donc on continue le combat. Bon, les graphismes pour l'époque, c'est vraiment sympathique. Hein. Là, il lui reste un tout petit peu de points de vie, on va essayer de ne pas avoir un coup critique. Allez, allez, Salamèche, on y va. Et on a gagné notre premier combat, donc 23 XP. Et Salamèche après niveau 6.
Donc voilà, on va se quitter sur ces quelques images, et si ça vous intéresse, on pourra réaliser différents let's play. Allez, merci, ciao ciao.